Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu a fait grâce. Amen. Et oui, Dieu a fait grâce. Il nous a réveillés ce matin. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu, pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Amen. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Fortifie-nous. Donne la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Avant de commencer notre prière pour nos enfants, nous allons d'abord demander pardon à notre Dieu. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Quand nous prions, nous formulons souvent des prières pour notre famille. En effet, quoi de plus naturel que de confier nos êtres chers à l'amour divin? En tant que parents, nous avons reçu la grâce d'élever des enfants. C'est un don de Dieu magnifique, exaltant et difficile à la fois. Mais nous ne sommes pas seuls. Lors du baptême, les parents sont d'ailleurs invités à faire une prière des parents. Celle-ci peut être à la fois action de grâce et occasion de demander au Seigneur de nous guider dans notre rôle de père et de mère et d'accompagner nos enfants tout au long de leur vie. Prions. La prière pour nos enfants. Seigneur, nous remettons entre tes mains le nom de nos enfants. Grave-les profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse les enlever. Protège-les chaque fois que nous sommes contraints ou contraintes de lâcher leurs mains. Que ta force soit toujours plus grande que leur faiblesse. Nous te demandons pas de leur épargner tout chagrin, mais d'être leur consolation lorsqu'ils seront seuls ou dans la peur, ou dans l'angoisse, ou dans la faiblesse, ou dans les difficultés. Garde nos enfants dans ton alliance, en ton nom. Ne les laisse jamais s'éloigner de toi à aucun moment de leur vie. Seigneur, nous te remettons entre tes mains le nom de nos enfants. Amen, amen, amen. Prions. La prière des parents à notre Sainte Vierge Marie. Prions notre Mère, la Sainte Vierge Marie, exauce nos prières auprès de ton Fils, notre Seigneur, pour qu'il puisse protéger nos enfants partout où ils ou elles iront, surtout en ce moment-ci des vacances. Garde, protège-les. Amen. Ô Marie, vous qui avez présenté votre Fils au temple, nous vous présentons nos enfants que Dieu nous a donnés pour la grâce de leur baptême. Vous êtes devenue leur mère aussi. Nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance. Donnez-leur la santé. Gardez-les du péché. Et s'ils venaient à s'égarer, soutenez-les en votre amour pour qu'ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie. Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d'eux. Donnez-nous votre lumière et votre amour. Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux et à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien. Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donnez-nous de savoir nous
effacer quand pour eux viendra l'heure de prendre en main leur vie et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection, amour, joie et bonheur. Soyez près d'eux pour les couvrir de votre regard maternel, pour les garder à travers la vie, afin qu'un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père. Amen. Autre intention de prière des parents. En tant que parents, nous devons faire face à différents défis tout au long de la vie de nos enfants. Prions pour les mères et prions pour les pères, afin que Dieu les aide et les accompagne dans cette si belle mission qui leur a été confiée en tant que parents. Sachons-nous tourner vers le Père éternel à chaque occasion et prier pour avec la prière des mères ou la prière des pères et avec nos enfants. Nous pouvons aussi prier ensemble le matin, midi, soir, si c'est possible, pour confier nos journées au Seigneur et ou le soir pour lui offrir. N'hésitons pas à demander l'aide de grands saints qui sauront intercéder pour nous et nos enfants. Prions Saint Antoine de Padoue pour bénir et protéger notre famille. Confions nos jeunes, écoliers et étudiants à Saint Expédie, notamment au moment de leurs examens. Il existe également de nombreuses prières pour les couples en désir d'enfants. Déposons dans leur cœur, aimant de Jésus, cette attente qui peut être souffrance. Prions. Seigneur notre Dieu, garde, protège nos enfants en ce moment-ci qui sont en vacances, même quand ils seront à la rentrée. Protège, garde-les. Pardonne-leur de leurs péchés. Donne-leur la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer, de lire l'Évangile, d'être toujours là pour toi, de toujours suivre le chemin que tu as tracé pour eux. Que nos enfants puissent continuer à te louer, à te prier, à te glorifier, à être toujours près de toi. Toi qui as dit, laissez venir les enfants chez moi. C'est pourquoi nous te confions les enfants que toi-même tu nous as donnés. Garde, protège-les. Reste toujours auprès d'eux. Donne-leur toujours la force, le courage quand ils sont dans les difficultés, quand ils sont dans l'angoisse, quand ils sont dans les problèmes, dans des situations où eux-mêmes ne peuvent pas les résoudre. Que toi-même tu puisses venir à leur secours, que tu puisses aussi les guérir. Donne-leur tout ce que leur cœur désire en bien, mais pas en mal. Protège-les. Fais des miracles à nos enfants. Que nos enfants ne puissent pas entrer dans les mauvais chemins. Épargne-les dans les mauvais chemins. Guide-les partout où ils seront. Protège-les. Surtout qu'ils puissent toujours rester dans la prière. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nos enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore pour nos enfants. Nous avons ainsi prié, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen. Plein de grâce pour chacun de nous venant de notre Dieu. Amen. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Amen. Prions, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. N'oubliez pas de mettre les j'aime, les likes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Je vous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen.